Bonjour à tous, aujourd'hui on fait un exercice sur les boucles, et cet exercice-là va également utiliser les strings. Cet exercice se trouve sur le site GitHub du cours. On y va de ce pas. Donc euh, l'exercice s'appelle boucle strings et euh, on va commencer par regarder le readme.md. Book strings, exemple à reproduire. Exemple de boucle variant en fonction d'une chaîne de caractères donnée par l'usager. L'affichage s'adapte également au contenu de la chaîne. Le fichier CSS est inchangé. Particularité le fichier CSS est inchangé. Tous les styles sont, se trouvent directement dans les balises. Donc, on va devoir rajouter des styles dans les balises comme tels. Rassurez-vous, il n'y en a pas énormément. On va aller faire une petite démonstration. On va regarder qu'est-ce qu'il qu qu y a comme démo à faire. Donc, tout de suite, quand on arrive, il nous, il nous pose la question de donner un nom. On va y aller avec le nom par défaut Rita. On clique sur OK et on se rend compte qu'on a maintenant un carré de 4 par 4. Pourquoi 4 Parce que Rita a 4 lettres. Écrit Rita euh, à la horizontale et à la verticale et euh, l'horizontale du bas est inversée. Donc ça fait un beau petit pattern avec le nom de la personne. Super. C'est ce qu'on devra faire. Donc euh, on va commencer tout de suite. On va télécharger la version de départ de ce projet-là. Donc, on clique sur Départ, ensuite Code Download Zip. Il a fini de le télécharger. Je m'en vais dans mon dossier de euh, téléchargement. Je vais tout de suite le dézipper. OK? Boucle Strings Départ. Je vais le renommer juste boucle strings. Ah, tiens, je vais l'appeler Demo. Donc, boucle String Demo. Et je vais le mettre directement sur le bureau. OK? Sur le bureau, maintenant, je vais le glisser sur mon icône de, de, de Visual Studio Code. Ne pas enregistrer. Et je vais agrandir ma fenêtre pour qu'on voit bien les choses. Donc, on a fait une belle petite démo. On, a, on va regarder si on a un fichier de résultat. Effectivement, on en a un. Juste pour voir quest ce que ça donne. Et le résultat, c'est exactement la même démo que ce que j'ai fait avec Rita Raté. On constate à l'intérieur du fichier résultat que tout ce qu'on a, c'est un seul... À l'intérieur de mon ID-App, on a un seul div avec des styles, à l'intérieur duquel il y a une série de divs. Ça, c'est parce qu'on n'a pas besoin de faire de rangées ni colonnes, parce qu'on va utiliser le Display Grid pour essayer de faire le tableau de la bonne, de la bonne taille. Super. Euh, une des choses qu'on constate également, c'est que les divs ont beaucoup de. En tout cas, sont, sont relativement complexes. C'est-à-dire que chacun des divs a, a sa bordure, soit black, soit transparent, a un line height, a un texte align, et c'est tout. Okay? Puis à l'intérieur de, de chacun, il y a un certain texte. Et on va constater que lorsqu'on va aller voir le SRC, le, dans le SRC, le fichier app.js, on va constater qu'on a également une nouvelle, euh, une, fon ben, une fonction qui a été rajoutée en plus du main. Euh, en plus du main. Cette fonction-là me sert, ben, c'est une méthode qui retourne une cellule dont le, avec le contenu donné. Okay, donc la variable contenu va contenir soit R, I, T ou A, ou bien peu importe la, le caractère qu'on va lui dire, et ça va nous retourner un, euh, un div. Euh, on va commencer d'ailleurs par celui-là, par, celui -là, par ce, cette, euh, cette cellule-là. Pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire, je vais aller, je vais retourner dans le résultat, puis juste me prendre une ligne ici que je vais mettre en commentaire dans mon app.js. Donc, je retourne dans mon app.js, je, euh, je vais la coller ici et je vais la mettre en commentaire. C'est juste pour me souvenir de qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir comme style quand je vais créer mon div. Donc j'ai déjà une variable qui s'appelle résultat, je vais m'en servir, je vais dire résultat est égal à, soit on est habitué, on le fait en masse, document.createElement, entre parenthèses, div, point, virgule. Ok, on pourrait, on pourrait arrêter ça là, mais là le problème c'est qu'on n'aurait pas de bordure autour de nos cellules, on n'aurait pas le line height et le texte à line center. Et on n'aurait pas, surtout pas le contenu dedans. Donc on va continuer avec euh, ce qu'on voit dans notre, euh, dans notre commentaire. Style est égal à border. Donc résultat.style.border est égal à un pixel solide black. 1px solide black. Point-virgule. Oups, point-virgule à la fin. Ensuite, on a le line-height de 1EM. Donc, résultat, point-style, point-line-height est égal à 1EM, 1EM, point-virgule à la fin. Et on a notre texte à line-center. C'est le fun, on voit quand même le reste de notre ligne. Donc, on n'aura pas besoin de se tasser. Résultat point style point euh, text-align est égal à center point virgule super il nous reste juste une dernière petite chose le r donc résultat point innerHTML. Est égal à quoi? Je ne vais pas mettre R parce que ça, ça voudrait dire que mon tableau va être uniquement et toujours contenu euh, rempli de R. Là, ce que je veux, c'est que ça dépende d'une certaine variable. Cette variable-là, c'est quoi? C'est le paramètre qui m'aura été envoyé, la valeur que j'aurais donnée lors de l'appel de ma cellule, lors de l'appel de ma méthode cellule. Donc, je vais mettre contenu. C'est O-N-T-E-N-U. -e Point-virgule. Je sauvegarde. Présentement, je ne peux pas tester cette méthode-là, mais je vais, je, vais la, je vais la tester tantôt, ça ne sera pas bien long. Donc, cette méthode-là qui s'appelle cellule. Euh, maintenant que j'ai tout fini, je peux enlever mon petit commentaire avec le, le HTML. Ensuite, saisie. Bon, ça, on va aller continuer, on va aller commencer le main tout de suite. Saisie. Donc, qu'est-ce qu'on veut saisir? Qu'est-ce qu'on veut, c'est qu -ce qu demander à l'usager un nom? Donc, euh, var, nom ou texte, on va y aller pour texte, est égal à prompt, entre parenthèses, donner un nom ou donner un texte, peu importe. Donner un nom. Puis là, je vais mettre, je vais faire comme tantôt, je vais mettre Rita pour faire mon test. Que, pour que je pas à toutes les fois à demander la, à, à, ré, à réécrire quelque chose dans mon champ de formule. Comme traitement, je n'ai pas vraiment de traitement à faire. Je n'ai pas à mettre en majuscule. Je n'ai rien d'autre à faire que... Que, que, que d'aller chercher sa largeur. Je voudrais avoir, comme je vais, je vais me servir souvent de la largeur, de la taille de, mon, de ma chaîne de caractères, je vais tout de suite la mettre dans une variable. Je pourrais toujours faire text.lent, mais ça deviendrait un petit peu euh, laborieux de le faire de cette façon-là. Donc, euh, je vais l'appeler taille. Ça va être la taille de mon carré est égale à text.lent. Point virgule. OK. Mon affichage maintenant. Okay, mon affichage sera un div. Là, je, pour être sûr de bien le faire, je vais aller faire un petit tour dans mon résultat, comme j'ai fait tantôt, et je vais tout simplement copier la ligne du div, du div parent. Donc, copier et je retourne à mon app.js. Et je vais coller à cet endroit-là, juste pour ne pas avoir à toujours revenir en arrière. Donc, coller. Je peux enlever ça. OK. Donc, je le mets en commentaire pour ne pas avoir de petits messages d'erreur. Donc, je sais que mon affichage, ce que je veux afficher, ça va être... Euh, tiens, je vais l'appeler tableau. Ça va être un genre de petit tableau. Donc, je vais l'appeler tableau. Donc, var tableau est égal à app. J'ai déjà ma variable app. Je n'ai pas besoin d'aller chercher mon get, de faire mon getElementByID. Il était déjà là. app. App and Child, entre parenthèses, document, point create element, et entre parenthèses, div, entre guillemets, div. Donc là, j'ai le div qui représente mon tableau dans lequel je vais mettre toutes mes cellules. OK. Je sauvegarde, juste pour ne pas prendre de chance. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter les trois ou quatre styles qu'il qu m'ait qu demandé. Euh, oui, c'est cela. Vous remarquerez que j'ai utilisé la forme courte. J'aurais très bien pu utiliser la forme longue, c'est-à-dire commencer par créer mon élément et ensuite faire un happen child. Mais on va prendre l'habitude. En tout cas, moi, je vais prendre l'habitude de, de le montrer de cette façon-là, c'est-à-dire un happen child de, entre parenthèses, comme paramètre, un élément que je vais créer. OK, donc euh, mon tableau, display grid, donc tableau.style.display est égal à grid, point-virgule. OK, bon, je vais faire, euh, comme j'en ai plusieurs, je vais faire une petite copie. Donc tableau .style grid template colonne Grid template colonne est égal à repeat de 4,1 EM. Là, on se doute que le 4, le 1 EM, il ne changera pas, mais on se doute que le 4 représente la largeur de mon tableau. Pour l'instant, on, on va le laisser comme ça, mais on le changera tantôt. Entre parenthèses, 4,1 EM. On ferme la parenthèse. Ok, je dois faire la même chose pour les rangées donc Alt Shift Flèche par en bas, Grid Template Rose, Grid Template Rose, là, là, comme ça va toujours être un carré, le Grid Template Rose puis le Grid Template euh, euh, Column va toujours être la même chose donc Repeat 4,1 EM. Ensuite, j'ai un gap de 0.1em et un font-size de 200%. Super, on va faire ça. Donc, grid gap de 0.1em. Donc, 0.1em. Et on avait dit un font-size. On va grossir notre, notre texte de tableau. Donc, alt flèche par en bas font size de 200%. De 200%. Voilà. Là jusqu'à maintenant, j'ai rien testé et ça m'énerve ça toujours quand je peux pas tester pendant un bon bout de temps. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais m'arranger pour être capable de tester. Maintenant, j'ai un tableau qui a été rajouté. Je pourrais aller juste voir est-ce qu'il a vraiment été rajouté. Est-ce que j'ai mes quatre, mes cinq styles à l'intérieur? Euh, mais une des choses que je pourrais faire également, je vais me permettre, euh, je, je vais tout de suite vérifier, tester la cellule si elle fonctionne également. Donc, je vais faire child. Et ce que je vais mettre, c'est Cellule Entre parenthèses, je dois lui fournir un certain contenu. Le contenu, on va prendre quelque chose qui n'est même pas dans, la, dans le rita. On va prendre le Z majuscule. Donc, cellule, Z majuscule. Là, maintenant, je peux tester des choses. Et je suis content parce que j'ai passé beaucoup de temps sans tester et ce n'est pas mon habitude. Donc, je clique sur mon Go Live. Ça me pose la question Rita. Ensuite, je vais faire OK. Oh, ça affiche ma cellule avec le Z dedans. Ça veut dire que tout est beau. Euh, comment je fais pour faire afficher autre chose? Comment je fais, par exemple, pour faire afficher le R de Rita? On va faire un petit peu d'éducation de, 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 ici. Là. Donc, au lieu de dire cellule, je vais dire texte. Je pourrais dire, dire juste texte, mais ça ne serait pas vraiment ce que je voudrais. Je vais vous le montrer. Ça donne ça. Ça va mettre Rita, mais là, on a notre Rita qui dépasse de notre petite, de notre petite cellule. Euh, je vais juste replacer mes, replacer mes fenêtres pour qu'elles soient un petit peu mieux, pour qu'on puisse ne pas avoir à toujours changer de fenêtre. Voilà. Donc, j'ai mon, mon Rita. Euh, donc, je voudrais avoir juste le R. Si je veux avoir juste le R, je vais faire, après la chaîne de caractère, je vais faire des crochets. Et je vais mettre l'indice représentant l'indice du caractère que je veux mettre. En l'occurrence, je voudrais le R, c'est l'indice 0 parce que c'est le premier caractère. Je sauvegarde Rita, j'ai mon R. Je voudrais avoir le I, pas de problème. 1. Je sauvegarde Rita, I. Je voudrais avoir le A, pas le, le, le A qui est après Rita, je vais mettre 3 à la place. Je sauvegarde Rita, A. Je voudrais avoir le quatrième caractère. Il n'y en a pas de quatrième caractère. Qu'est-ce qui va se produire? Il n'y a pas de cinquième caractère. Ça va dire « undefined » parce que j'ai dépassé la limite de, mon, de ma chaîne de caractère. OK. Donc, voici notre première, euh, notre première étape de fait. Je suis capable maintenant. Texte 2, il ne faut pas que je le, je le laisse vite. Je vais mettre le zéro. Je vais mettre le zéro. Je sauvegarde. Tiens, voilà le R de Rita. OK? Euh, là, notre première, euh, ben, notre deuxième défi, ça va être de faire afficher la première rangée de notre tableau, donc le R-I-T-A. Euh, je pourrais faire un copier-coller. Je vais le faire juste par principe. Je pourrais faire un copier-coller avec le 0, 1, 2, 3. Tac, 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 tac. Et c'est quand on n'est pas sûr de la boucle qu'on veut, la meilleure chose à faire, c'est justement de la faire avec des copier-coller jusqu'à ce que qu'on sache qu'est-ce qu'on veut vraiment. Là, en le faisant, en le copiant, collant, j'ai une bonne petite idée de quelles seront mes, les itérations de ma boucle. Je sauvegarde. Rita, Rita. Si je mets autre chose comme euh, chaîne de caractère, par exemple, je mets Martin. OK, ça va me faire Mart. Ça, ce que ça voudrait dire, c'est que je devrais rajouter, faire des copier-coller si jamais la personne met Marc. Je ne veux pas faire ça. Je veux que ça soit toujours euh, si quelqu'un met Martin. Euh, je veux que ça soit toujours la bonne taille en fonction de la personne. Si c'est euh, Christophe Alexandre, ben, ça devra être un peu plus long que juste Rita. Mais vous voyez tous les itérations. J'ai une itération avec le chiffre 0, une itération avec le chiffre 1, une itération avec le chiffre 2, puis une itération avec le chiffre 3. Euh, quand on a besoin de faire une boucle, ce qu'on fait, c'est qu'on garde une seule itération, puis on remplace ce qui, veut, ce qui se modifie d'une itération à l'autre. On remplace ça par des variables. La boucle, ça va être quoi? Ça va être for, entre parenthèses i, euh, let. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore utilisé let, mais à l'intérieur des boucles, des boucles for, on va prendre l'habitude d'utiliser let au lieu de var. OK, ça fait en sorte que notre variable n'est disponible qu'à l'intérieur de notre boucle for, et elle n'est pas disponible à l'extérieur. For let i est égal à 0, point, virgule, qu'elle sera, ça c'est mon initialisation, l'initialisation de mon compteur. Ensuite, qu'elle sera la, condi quelle sera la condition, de, de sortie, c'est quand je vais avoir passé tous les caractères. Tous les caractères, c'est quoi C'est texte.length, c'est taille. Donc, i est plus petit que taille. Point-virgule. Est-ce que j'augmente Est-ce que je diminue J'augmente de 1 ou de 2 ou de 3, de seulement 1. i plus égal à 1. Accolade. Et là, là-dedans, je, je n'ai qu'à mettre un seul, une seule itération. Je vais mettre la première, les autres, je vais les enlever. OK. Je vais mettre la, une seule itération, les autres, je vais les enlever. Je n'ai pas terminé, mais j'ai presque terminé. Si j'exécute si ça, je vais me retrouver avec Rita et je vais me retrouver avec seulement des R. Pourquoi? Parce que je demande toujours de mettre le, le caractère numéro 0. Euh, à l'intérieur de, de, de ma boucle, j'ai une variable qui augmente justement, qui vaut, à, qui vaut parfois 0, parfois 1, parfois 2 et parfois 3. C'est quoi? C'est la variable i. Donc, si je, ce que je veux justement, moi, c'est texte de 0, texte de 1, texte de 2, texte de 3. Donc, ce que je vais faire à la place de texte 0, je vais mettre texte de i. Je sauvegarde et j'ai mon retombe. Voici notre deuxième défi. Notre troisième défi serait de, de faire les deux colonnes, donc les deux, les, les côtés de la boîte. Mais on va y aller un petit peu plus simple. On va faire le bas de la boîte tout de suite. On fera les colonnes par la suite. Donc, pour faire le bas de la, de la boîte, c'est A-T-I-R, le bas de la boîte. Donc, le caractère numéro 3, le caractère numéro 2, le caractère numéro 1 et le caractère numéro 0. Donc, on veut partir de 3 et se rendre jusqu'à 0. Donc, for, entre parenthèses, let i est égal à 0. Et pas égal à 0. On veut partir à 3 cette fois-ci. 3, c'est quoi C'est la taille moins 1. Est égal à taille moins 1. Point-virgule. Où est-ce qu'on veut arrêter? On veut se rendre jusqu'à 0, mais pas aller plus bas que 0. Donc, on va fonctionner jusqu'à ce que i soit, tant que i, je veux dire, soit plus grand ou égal à 0. Point virgule. Et finalement, est-ce qu'on veut augmenter ou diminuer? On veut diminuer de 1 ou de plus, de seulement 1. i moins égal à 1. Il faut faire bien attention, ça causerait des... Euh, si je faisais plus égal, ça causerait une boucle infinie. Et à cet endroit-là, copier, coller. À cet endroit-là, je mets exactement la même ligne. Je sauvegarde. Je devrais avoir Rita et Attire. Là, certaines personnes pourraient se poser la question, ouais, il a utilisé la même variable, ça ne devrait pas être légal, il devrait, ça ne devrait pas fonctionner, puisqu'il il prend les, la même variable pour la même chose. Euh, parfois, ça cause problème d'utiliser la même variable, mais en l'occurrence, comme le « i » n'est disponible qu'à l'intérieur de ma boucle « for », dès que je suis à l'extérieur de ma boucle « for », il n'y a rien qui m'empêche de réutiliser ma variable « i ». Donc, il n'y a rien absolument qui m'empêche de, re, de, 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 de refaire euh, exactement la même boucle à l'envers avec la variable « i ». OK. Maintenant, la partie un petit peu plus difficile. La partie un peu, un peu plus difficile, on a besoin de faire les deux lignes du milieu. Euh, ce sont des lignes dans lesquelles il va y avoir pour la première ligne le i-espace-espace-t. Euh, Et pour la deuxième ligne, il va y avoir le t-espace-espace-i. Évidemment, si j'avais une autre chaîne de caractères plus longue, ben, il faudrait que je dise tout ça avec plusieurs espaces. On va se poser la question, il y a combien d'espaces? Deux. Pourquoi deux? 2, c'est la longueur de ma chaîne, moins 2, justement. Donc, ma chaîne, ma chaîne est de 4 caractères, moins 2, ça donne 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais commencer par faire une seule ligne pour voir qu'est-ce que ça donne. Ma première ligne, ça va être je vais rajouter mon T, c'est mon I en premier. Donc, mon i, c'est quoi? C'est le caractère. Je pourrais mettre le i, mais tiens, euh, je pourrais mettre le. Bon, c'est pas la variable, mais euh, je pourrais mettre le caractère i, mais je vais y aller quand même avec texte crochet quelque chose, OK? Texte crochet 1. Okay, on teste si ça fonctionne. Rita. Donc, j'ai le attire i. Oh, c'est vrai, je ne voulais pas le mettre à cet endroit-là, je voulais le mettre à l'intérieur, entre les deux. Donc, je vais le monter. Tuk, tuk, tuk. Il est à cet endroit-là. Puis, même pour, euh, pour bien faire, je vais mettre en commentaire ma ligne du bas. OK. Je sauvegarde. Rita. Et j'ai mon i. Ensuite, je devrais mettre deux espaces. Là, je vais mettre vraiment le caractère espace. En guillemets, espace. Euh, Jusque-là. En guillemets, espace. Okay. OK. On avait vu tantôt que le, les, les, les lignes ne paraissaient pas dans, le, dans le, le carré du milieu. On va régler ça à la fin. Et ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est le tableau, la même chose que la ligne précédente, copier, et je veux mettre le T. Coller. Et le T, c'est quoi? C'est le caractère numéro 2. Okay. J'aurais peut-être dû prendre un nom plus long que, le, que Rita. Mais vous voyez le topo. Okay. Si j'avais à recommencer ça, je ferais exactement. Bah, tiens, je vais le faire. Je vais faire mon copier-coller. Donc, oh, qui dit copier-coller? Quand on pense copier-coller du code, il euh, faut souvent voir ça comme étant une boucle qu'on doit faire. Okay. Donc, je sauvegarde. Je, ben, je copie. Je colle. Une deuxième fois et je vais mettre le 2 et le 1. Et évidemment, le 2 et le 1, ça, ça va marcher uniquement si la personne rentre un nom de quatre lettres. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut que ça soit faisable pour n'importe quelle longueur de texte. Donc, pour l'exemple, si je fais, si j'exécute Martin à la place, paf, tout est tout croche. OK? Parce que Martin a 6 caractères alors que Rita en avait juste quatre. OK. Donc, je reviens à mon Rita. Et là, je vous fais, je vous, fais vous rendre compte qu'on avait une boucle quelque part. OK. Donc, on a, comme on a fait un copier-coller, fait, en fait, on a deux boucles imbriquées. On a une boucle pour les espaces et on a une boucle pour l'ensemble d'une rangée. On va commencer par l'ensemble d'une rangée. Donc, ça ici j'en ai plus besoin je vais le garder pour tout de suite je vais faire des sauts de ligne je vais le garder pour tout de suite je vais l'enlever tantôt donc ça je veux qu'il se répète deux fois pourquoi deux fois c'est le nombre de caractères euh, c'est le nombre de caractères moins deux donc ce que je vais faire je vais faire for entre parenthèses puis je vais mettre tout de suite mes accolades comme ça puis mettre mes éléments à l'intérieur. Alt, toc. OK. OK. Là, je vais attirer votre attention sur quelque chose parce que là, je me pose la question. Je vais encore utiliser, comme je suis à l'extérieur de la, la, la boucle précédente, je vais encore utiliser la variable i. Donc, tiens, on va l'écrire tout de suite. Let i est égal à. Mais là, je vais me poser la question i va représenter quoi à l'intérieur de cette, de cette boucle-là Ça va être une boucle qui va augmenter. Donc, qui va partir de quelque chose et se terminer à quelque chose. Et si on regarde bien notre deuxième itération, on a 1, 2. Et si on, ben, si on regarde la colonne de droite, on a 2, 1. On peut présumer que si notre mot était plus grand, on aurait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et pour la colonne de droite, on aurait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à 1, comme notre, nos itérations commencent à 1. Point virgule. Et on va se rendre jusqu'à ce que la taille, jusqu'à ce que le i soit plus petit que taille moins 1. i plus petit que taille moins 1. Moins 1. Point virgule, est-ce qu'on augmente? Oui. i plus égal 1. OK? Et là, je vais mettre le i à cet endroit-là. Je sauvegarde. Et on voit que notre euh, IT fonctionne. La dernière rangée, je devrais probablement l'enlever. Tiens, j'en ai plus besoin. Je vais l'enlever. J'en ai plus. Ai... Donc la dernière rangée qui est la rangée où est-ce qu'il y avait le, le T et le I. OK. Donc on note notre RIT. Je recharge. Oh, je n'ai pas sauvegardé. On sauvegarde. Voilà, j'ai RIT. Et là, le problème, c'est que j'ai ATT, t. Si j'avais 10 caractères, ça serait T T T T T T. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai mis seulement 2. Okay. Qu'est-ce que je peux mettre à la, à, à la place? Comme euh, j'ai une variable qui fait 1, 2, 3, 4, et que je veux faire 4, 3, 2, euh, 4, 3, 2, 1, à la, à ce que je vais faire, je vais faire une petite soustraction. Si j'ai 1, je veux 2. Si j'ai 2, je veux 1. Si, si je fais 3 moins i, ça va me donner le bon résultat. Donc 3 moins i, 3 moins 1 va me donner 2. Et 3 moins 2 va me donner 1. OK? Fait que je vous, donne la, je vous donne la solution, elle n'est pas nécessairement évidente. C'est taille moins 1 moins i. Vous prendrez quelques secondes pour y penser. Okay. Taille moins 1, c'est parce que je ne vais pas jusqu'à la fin, je ne pars pas de la fin. Et le moins i, c'est justement pour reculer au lieu d'avancer. A, R, I, T A, I, T, T, I. Il ne me reste que rajouter les chaînes de caractères, rajouter la colonne du bas. Et j'ai ma colonne. Et j'ai mon, mon, mon petit tableau. Mmh, je ne l'ai pas complètement. Il manque un petit quelque chose. Dans l'exemple qu'on m'avait donné, il y avait un petit. Euh... Voyons, il y avait, le milieu était, avait, euh, était vide, n'avait pas de, de, de bordure. Et si on regarde le résultat, qu'est-ce qui faisait qu'on n'avait pas de bordure C'est que parfois nos bordures étaient transparentes. À quel moment nos bordures sont transparentes? C'est lorsque le caractère qu'on essaie d'afficher, c'est un espace. OK, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre cellule et on va dire ⁇ résultat euh, ⁇ En fait, on va dire ⁇ if ⁇ contenu est égal, avec 3 égal à ⁇ espace ⁇ À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est que la bordure soit transparente. Donc résultat, résultat point, style, point border color border color est égal à transparent. Point virgule. Je sauvegarde. Rita transparent. J'essaie avec mon prénom, F5, euh, commandeur, Martin. Ça va. Ah, j'ai bien fait de l'essayer. C'est quoi le problème? C'est qu'il fait toujours des 4 par 4. Et si je veux qu'il soit capable d'en faire plus, il va falloir que je lui dise de s'adapter. On va aller arranger ça de ce pas. C'est vraiment pas compliqué. Ici, il est écrit 4. Ici, il est écrit 4. Ce que je voudrais qu'il y ait comme valeur, c'est la taille de ma chaîne de caractères. Donc 6, en l'occurrence, avec Martin. On y va. Ben là, je ne suis pas pour changer pour 6. Je devrais mettre une variable. Pour mettre une variable, on, je vous avais donné un truc. Le guillemet plus plus. Et entre les deux plus, on va mettre, un, on va mettre le nom de notre, de notre variable. Taille. Je fais la même chose avec l'autre en dessous. Donc le 4, je veux qu'il soit variable. Guillemet plus plus. Taille. On le réessaye. À la place de Rita. Tiens, je vais mettre Rita raté. Rita raté en un, en un mot. OK. OK. Euh, bonne question. Pourquoi ça, pourquoi ça fait ça? Parce que... Il n'a pas mis la bonne taille. Euh, attendez un peu là. Je vais essayer avec Martin à la place. Ok. Ok, c'est comme s'il ne prenait pas la taille, le repeat avec le template grid template columns. Ok. On va aller voir pourquoi. On va regarder le contenu, voir si ça fonctionne. Grid template columns, repeat, taille 1, EEM. On va aller voir pourquoi. Donc, on va inspecter. C'est une chose qu que j'aurais même dû faire bien avant, aller inspecter, voir si toutes mes balises étaient correctes. Mais comme mon affichage était correct. OK. Fait que je monte en haut complètement. Je vais agrandir un peu ma fenêtre. OK. Comme ça. Grid, Template, Columns, Repeat, 6, 1EM. Ah oui, je sais pourquoi. Bien sûr, bien sûr, je n'avais pas terminé. J'étais sûr d'avoir terminé, mais je n'avais pas terminé. Parce que j'avais dit qu'il y avait une boucle imbriquée à cet endroit-là. Effectivement, il y a une boucle imbriquée parce que ce n'est pas toujours deux, deux espaces que, que je dois mettre. Parfois, ça va être plusieurs, ça va être deux. Puis si j'ai six caractères, ça va être quatre. Puis si j'ai 24 caractères, ça va être 22. Donc, ce que je dois faire, je dois enlever, je dois garder une seule itération. Et je dois créer une nouvelle boucle. La boucle, c'est une boucle imbriquée. Donc, comme elle est à l'intérieur d'une autre boucle, je ne peux réutiliser la même variable. Donc, à la place, je vais utiliser J. For, entre parenthèses, ça va être exactement la même. Euh, ou presque exactement la même, la même boucle. Let, j est égal à 0. Point virgule, comme ça va être la taille moins 2, j est plus petit que taille moins 2. Point virgule, j plus égal à 1. Accolade. Ça, c'est des crochets. Accolade. Et là, je vais mettre mon espace dedans. Je sauvegarde. On essaye avec Rita. Ça fonctionne encore. On essaye avec Martin. Ça fonctionne. On essaye avec Rita raté. Au complet. Au complet. OK, ça fonctionne. C'est pour ça que ça fonctionnait pas, c'est parce que j'avais oublié de faire ma deuxième boucle à l'intérieur de mon, euh, à l'intérieur de ma première boucle. Voilà, c'est terminé pour ce qui est de cette, euh, cet exemple là. J'espère que ça va vous avoir aidé et euh, passez une belle journée.